Cela fait des années que je le vends. Quand il y avait encore le tramway ici et qu'il n'y avait quasiment pas un taxi, j'ai appris à vendre quand j'étais toute petite. Je préfère le moco chinchi car c'est naturel et c'est bouilli. Alors qu'on dit qu'avec le Coca-Cola, tu peux attraper des maladies et puis il y a trop de sucre. Il faut soutenir ce que dit le ministre, que c'est plus sain que le Coca-Cola, que les sodas, que c'est plus naturel. Et puis c'est une fierté nationale, car c'est fait avec les mains des Boliviens eux-mêmes. Il n'y a pas de secret, il faut juste beaucoup d'abricots, de la cannelle et du sucre, rien de plus. Il n'y a aucun secret dans le moco chinchi.